بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 21 sur le cours des statistiques niveau tronc commun l'année scolaire 2020-2021. En 2002, le pourcentage des importations des énergies sont l'électricité 3,20%, le charbon 29,70%, le pétrole brut 52,50%, les productions pétrolières 14,60%. Représentez ces données par un diagramme circulaire. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer ce diagramme. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Il s'agit ici d'une série statistique dont le caractère est qualitatif, c'est-à-dire n'est pas quantitatif. Autrement dit, on ne peut pas le représenter par un nombre. Donc, il est toujours préférable de représenter les diagrammes circulaires pour ce genre, bien sûr, de séries statistiques. Donc, je vais commencer. Soit la série des importations des énergies. Et je vais dresser mon tableau. Ici, je vais mettre les caractères. Puis, on a pour le premier caractère, c'est l'électricité. Pour le deuxième caractère, le charbon. Pour le troisième caractère, on a le pétrole brut. Pour le dernier, on a d'autres sources pétrolières. Puis, ici, les pourcentages pays. J'ai 3,2. 29,7, 52,5, 14,6. Maintenant, je passe directement aux alpha i qui correspond à chaque pourcentage. Donc, pour le premier, donc je prends le pourcentage 3,2, je le multiplie par 3,6, ça donne 11,52, mais moi je vais prendre 11. Pour le deuxième pourcentage, 29,70 ou bien 29,7, je le multiplie par 3,6, ça donne 106,92 ou 107. Pour le pétrole brut, le pourcentage c'est 52,5 multiplié par 3,6. Ça donne 189 plutôt, degrés. Et pour le dernier pourcentage, 14,6, je vais multiplier par 3,6 pour trouver la mesure de l'angle. C'est 52,56 ou bien 53 degrés. Et maintenant, je passe à mon diagramme. Je trace mon cercle. Le voici. Je choisis ce point, puis ce segment. Je prends mon rapporteur. Je prends la première mesure, c'est 11 degrés.
Voilà. Et maintenant, je trace ce point, puis ce segment. J'élimine cette partie. Donc cette zone, ça représente le pourcentage d'électricité. Donc je vais écrire ici électricité. Les importations en électricité, leur pourcentage, c'est 3,2%. Donc je vais écrire 3,2. 3,2%. Maintenant, je passe au charbon, les importations en charbon. Donc je vais prendre d'abord le rapporteur. Et je cherche 107 degrés. Voilà, 107 degrés. Je trace ce point, puis ce côté, et j'élimine cette partie. Donc cette zone que je vais marquer en rouge, représente les importations en charbon. Son pourcentage, c'est 107%. Non, c'est... Je m'excuse, c'est 29,7%. Ou bien 29,70%. Je passe au pétrole brut. Je prends mon rapporteur, je représente cet angle. L'angle qu'on a, c'est 189. 189. C'est 180 plus 9. Voilà, c'est 189. Je trace cette droite. Je pose ce point. Puis, ce côté-là. J'élimine cette partie. Donc, la zone que j'ai, cette zone circulaire, ou bien angulaire. Cette partie-là constitue le pourcentage du pétrole. Je vais écrire d'abord pétrole. Pétrole brut. Naftalham. Son pourcentage, c'est 189%. Vous voyez que les importations en pétrole brut sont tellement considérables. Et le reste, c'est pour autres importations énergétiques. Donc je vais choisir cette couleur. Voilà pour cette zone angulaire. Et je vais écrire autre importation en énergie. Son pourcentage, c'est 53%. Non, plutôt 14,6. 53, c'est l'angle, c'est la mesure de l'angle. Donc c'est 14,60%. Voilà. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourg Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.